Bonjour tout le monde, c'est Forcé Allo et bienvenue dans une petite découverte de la nouvelle Formula ESC 2022 dans AMS2 qui est littéralement une IndyCar mais avec c'est une fausse IndyCar mais pas une IndyCar, je sais pas si vous comprenez. C'est en gros, c'est avec tous les problèmes de licence. Ils ont pas pu vraiment faire qu'une vraie IR18, fait qu'ils ont fait avec la base de l'IR18, puis ils ont fait vraiment un look complètement différent, mais qui est proche d'une décor quand même. Puis alors, c'est parti pour 10 tours au circuit de Villeneuve pour découvrir cette nouvelle automobile qui est assez extrêmement amusante. C'est ça, c'est sur la nouvelle Race Canada. Bon, c'est le spin, c'est la mort. Bon. On va faire une petite histoire. On va faire un petit résumé de pourquoi cette voiture-là a l'air de ça. C'est en gros, Reza, les développeurs de AMS2, il avait fait un deal avec Dallara, je pense, ou l'IndyCar, je sais plus trop, pour avoir la Dallara IR18, la vraie IndyCar dans le jeu. Mais le problème, c'est qu'avec toute la liaiserie de Motorsports Game, avec la licence d'IndyCar qui ont volé, qui ont racheté tout ça, puis qui ont fait ça qu'à Racing, on peut plus faire d'Indy 500, ben là, ça a affecté Reza et leur projet de mettre l'IR18 dans le jeu. Fait qu'à cause de ça, ils ont pas pu vraiment mettre l'IR18 dans le jeu, mais il y avait la base de la voiture. Fait qu'est-ce qu'ils ont fait? Il a décidé de la sortir quand même, mais avec un look complètement différent. Et c'est pas mal cette voiture-là qu'en ce moment je conduis, qui est le résultat de tout ça. Fait qu'en gros, ça se conduit vraiment, vraiment comme une IndyCar, mais la différence c'est que ça ressemble pas à une IndyCar, mais quand même. Il y a des petites similarités. Je veux dire, avec l'aéro screen, là, c'est quand même le rond, tout ça. T'sais, la forme de la voiture, c'est pas mal une IndyCar. Mais c'est un peu un mélange avec une F1 puis une IndyCar. Moi je trouve que c'est vraiment ça. C'est un mélange, c'est plutôt pas mal. Au début, les premières photos, je n'étais pas vraiment convaincu. Je veux dire, je trouvais un peu que c'était vraiment bizarre comme voiture. Mais franchement, dans le jeu, elle est vraiment pas si mal. Puis elle a roulé vraiment en vrai, c'est cool. C'est vraiment cool comme voiture. La conduite, elle est excellente. Parce que là, on est avec la nouvelle Release Candidate. En gros, c'est la preview de la prochaine version du jeu. Puis les nouvelles physiques qu'il y a sur cette voiture. Puis pas mal toutes les autres Formule 1. C'est vraiment excellent à conduire. C'est tellement le fun. Les physiques sont vraiment rendues à un bon niveau, je trouve. C'est vraiment convaincant. Il y a vraiment du beau détail. On sent vraiment bien les pneus, je trouve. C'est pas encore au niveau de R-Factor, je trouve. Mais on est vraiment proche. C'est vraiment, vraiment bon, là, les physiques. Ça a pris du temps avant que les physiques vraiment viennent à ce niveau-là, je trouve. Mais honnêtement, c'est vraiment rendu bon. Là, le jeu a vraiment des bonnes physiques convaincantes. Ça a plus vraiment le feeling, je trouve, le feeling de savon qu'on avait dans les premières versions du jeu. Là, c'est vraiment rendu top-notch, je trouve. C'est non. Mais cette voiture-là, c'est vraiment pour moi la meilleure représentation des physiques du jeu avec la nouvelle version. C'est vraiment rendu vraiment bon là. Pour moi c'est vraiment ma voiture préférée de tout le jeu, je trouve. Oh, on va trop large. Oh! On freine trop tard. On a overshooté un peu le virage là. On a vraiment pas bien freiné. Bon, on va essayer de gagner quelques places maintenant là, que la course elle est vraiment lancée. Mais c'est vraiment le fun comme voiture, ça se conduit vraiment comme l'IR18. Il y a quand même des petites similarités avec celle d'iRacing. La chose qui change vraiment, c'est vraiment le look. Parce que pas de ça, là, c'est vraiment une IndyCar. Le son, c'est vraiment le bon gros moteur américain là. Ah! C'est vraiment bon là. Bon, pas gros moteur américain, peut-être pas dans les meilleurs mots pour décrire ça là, mais
c'est vraiment le fun. Les physiques, là, moi je vous le dis, là, c'est cette voiture-là vraiment, avec la nouvelle version, là, 5-6 poires, c'est vraiment le fun. Oh, on va vite! Oh, ouais, ça c'était pas propre. Mais c'est vraiment la relance avec cette voiture-là. T'sais, les une décor vraiment, c'est vraiment des. C'est vraiment la torque, vraiment en accélération, là. C'est vraiment puissant. Faut vraiment, vraiment bien doser l'accélérateur, je trouve. Pour avoir vraiment. Pour vraiment éviter vraiment de trop glisser, là. Mais ah, oh, c'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. Comme j'ai dit, les nouvelles physiques sont vraiment sur la coche. C'est une bonne expérience. On sent vraiment beaucoup de choses, je trouve, dans le volant. Des bonnes sensations. On n'est pas au niveau d'un facteur, mais c'est vraiment convaincant. On peut vraiment dire qu'on est sur une vraiment bonne simulation, je trouve. Les développeurs de chez Geza ont vraiment fait du bon travail pour vraiment adapter le moteur de Project Cars pour en faire une vraie simulation. Je suis vraiment impressionné quand même. Je suis vraiment impressionné. Et là, on va vraiment essayer de dépasser en avant parce que lui, il est un peu plus lent que nous là, dans les virages. On prend son aspiration là. Oh, un dive bomb. C'est encore le contact. Oh, ça se touche les roues, mais oh, il y a le meilleur relance. C'est vraiment les relances, cette voiture-là, c'est vraiment l'affaire la plus compliquée, je trouve. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de torque, c'est vraiment puissant, là, tu sais. En sortie de virage. Oh, moi aussi. Bon, ça c'était pas mal de la grosse intimidation, là, c'était pas vraiment clean. Là, on est rendu à la vie course, là. Là, faut y rattraper en avant. Ah non, cette voiture-là, c'est vraiment ma voiture préférée du jeu. C'est tellement le fun qu'on sort à la limite, là, vraiment. On sent plus la limite qu'avant. On sent vraiment mieux la limite de la grippe des pneus. C'est vraiment, vraiment beaucoup mieux qu'avant. Ah, c'est tellement le fun. Tellement le fun. Par contre, je pense que j'ai un bug avec ma relative parce que, regarde, là, il y a juste deux voitures qui ont des secondes là, d'intervalle. La voiture en avant, puis la 16e place. C'est vraiment bizarre, ça. Mais bon, on est en version bêta quand même, là, c'est. Fait qu'on s'en fera un peu des bugs. La première fois que je pense que j'ai la sortie de l'épingle plutôt bien. Mais cette voiture-là, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment des bonnes physiques. C'est vraiment fun à piloter. Vraiment, là, si vous avez le jeu, là, mettez. Activez la Release Candidate, puis allez rouler cette voiture-là, c'est incroyable. C'est vraiment le fun. J'ai pas essayé la config ovale encore, parce que cette voiture-là, elle vient avec une config ovale. J'ai pas essayé encore. Fait que je sais pas vraiment comment que ça fait sur les ovales. Je sais pas si c'est similaire aux voitures du kart qu'on a dans le jeu. Mais bon, ça devrait. Je devrais l'essayer à m'amener. Oh, c'est tellement le fun. Ce jeu-là, c'est vraiment la meilleure simulation pour vraiment faire un pick-up and play. Tu sais, genre, tu choisis des voitures que tu veux rouler, puis tu roules. Tu sais, ça marche, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de gossage dans les paramètres. C'est vraiment pick-up and play, pick-up and race, dans ce cas-ci. Ça marche tout le temps bien, il n'y a jamais de problème. Tout est bon, out of the box. C'est ça que j'aime avec ce jeu-là, vraiment. Là. Un des rares jeux qui est vraiment de ce style-là. Pick up and race. T'ouvres le jeu, tu roules, tout marche. Donc, Factor 2, c'est pas ça. Assetto, pas vraiment. iRacing. On peut pas comparer vraiment, là. Bon, là, on va essayer de rattraper un peu. Je pense qu'on a gagné une seconde peut-être. Dans les deux derniers tours, second en avant.
Donc c'est bon, on se rapproche. Je pense qu'il reste 3 tours. Allez, allez. Oh oui, on a vraiment gagné beaucoup de temps là-dessus. On a vraiment eu un bon virage. Je pense qu'on va réussir à le dépasser. Ouais, la clé vraiment dans la chicane, c'est vraiment de pas prendre le vieux programme, parce que c'est vraiment des grosses saucisses. C'est vraiment, quand tu les prends, ça garantit vraiment beaucoup, là, c'est vraiment pas une bonne idée. Parce que je trouve que les IA, ils prennent un peu trop les saucisses, comparé à moi. Wow, comparé à moi, là, c'est vraiment ça, je trouve, les IA. Elles sont agressives avec les vibreurs. Ils aiment vraiment ça les manger, en tout cas, les bonnes saucisses. Des bonnes grosses saucisses. Oh, puis un truc aussi avec AMS2, hein, c'est qu'AMS2 là, c'est probablement la simulation la plus facile pour faire des vidéos YouTube. Hein. C'est pour ça que j'aime faire des vidéos là-dessus, parce que c'est facile, ça marche, puis c'est immersif, puis tout est bon. Les graphiques sont bons, fait que le spectateur, il profite bien là. C'est le fun, c'est ça marche bien, c'est pas compliqué. Moi je pense que j'aime pas des vidéos là-dessus, tu sais, c'est vraiment pour toutes ces raisons que j'ai dit. C'est compliqué, c'est pas compliqué, ça marche bien. Le spectateur est vraiment immersif, je trouve les graphiques sont bons, tu sais, l'immersion elle est vraiment bonne. C'est pour ça que ça marche bien. Je devrais faire une vidéo en VR là, un de ces jours, vraiment une vidéo en VR là-dessus là, ça serait vraiment top top. Parce que MS2, c'est vraiment le king de la VR. L'immersion là, elle est vraiment exceptionnelle. Je joue pas beaucoup en VR parce que la VR c'est pas encore vraiment rendu, disons, facile à... T'sais, c'est chiant à mettre. C'est compliqué, tout gosser les paramètres, tout ça pour vraiment bien enregistrer. Mais un jour, je ferai une vidéo en VR. Un jour. Je sais pas quand là, mais c'est sûr. Cet été, je vais avoir le temps d'en faire une, c'est sûr, la même année. Je sais pas quand, là, on verra. Mais là, faut le dépasser avant la boîte bleue, là. Je pense qu'on va, on va devoir être un peu plus agressif. Pousser un peu plus la voiture à la limite. Time bomb. Wow, c'est excellent, excellent! Bravissimo, bravissimo! Grande Ferrari, là, je sais plus quoi, là. Ça, c'était beau. Il n'y a pas de contact comme tout à l'heure, non plus. Il reste combien de tours, là? Il reste un tour. Il reste pas de tour? Oh non, il reste un tour. Bon, c'est... Le tout pour le tout, on va pas se faire dépasser. Wow, on a pris large. Ah, c'est bon. Let's go. C'est tellement fun, ça voit celui-là, vraiment, là. Quand tu sors des virages, là, le petit wheel spin que t'as, là, là, faut que t'essaies vraiment de bien doser. L'accélérateur peut pas trop déraper. Oh, c'est tellement le fun. C'est tellement le fun, man. Les nouvelles physiques, là, incroyable. Incroyable. J'ai vraiment pas de négatif.
C'est convaincant, c'est vraiment bon. Mais comme j'ai dit, on n'est pas au niveau d'Arc Factor encore. Ou même d'iRacing, là, si on présente ça comme ça quand il avait dit qu'iRacing, bon, c'est vraiment une bonne comparaison, je sais pas, là. Pour parler vraiment des physiques, là. Mais on n'est pas au niveau d'Arc Factor, là, mais c'est le fun. On peut pas dire que c'est mauvais. C'est sûr. Bon, dernier virage avant la ligne d'arrivée. Le mur des champions. À quelques centimètres du mur. Ils ont passé la ligne d'arrivée en deuxième place. Je sais pas, on est parti combien. Mais bon, c'est une course amusante. Des bonnes batailles. Vraiment le fun. Ah, cette voiture-là, je l'adore. Le look, c'est pas pour tout le monde. C'est clair que le look de la voiture, je pense que c'est soit t'aimes ou t'aimes pas. Mais c'est pas si mal. Moi, je l'aime bien. C'est un bon compromis entre la vraie Yas 8 puis genre une voiture fictive. Fait que ça passe vraiment, là, c'est vraiment cool. Mais ça se conduit comme une Yas 18, ça c'est sûr, tu sais, je veux dire, la base de la voiture, c'est l'Yas 18. Ce qui a changé, c'est vraiment le visuel, parce que, tu sais, il avait sorti des photos il y a une couple de mois, dans le temps du mois de août, dans notre tête, où il avait sorti les voitures du kart. Puis il y avait des photos avec la vraie Yas 18 dans le jeu, fait que, tu sais, c'est clair que la base, c'est vraiment la vraie IndyCar, fait que, tu sais, maintenant, côté conduite, on peut pas dire que c'est une affaire de marde. Que c'est une voiture inventée de toutes pièces, là, puis qui sort des fausses usines, puis, tu sais, qui est n'importe quoi, là, c'est une voiture de fantasy, là, tu sais. Là, c'est vraiment pas le cas, c'est vraiment la vraie Yas 18 qui est vraiment sous ce package fictif, là, si on peut dire ça comme ça. Fait que c'est vraiment cool comme voiture. Vraiment, je l'adore vraiment. Les nouvelles physiques sont vraiment convaincantes, c'est vraiment bon. Des bonnes sensations maintenant, je trouve qu'on ressent vraiment mieux. La limite avec la grippe du pneu. Et vraiment, je trouve, vraiment en milieu de virage puis en sortie de virage, là, il y a vraiment une amélioration, je trouve. C'est vraiment bon. Je vais vous laisser avec le replay. What the fuck, je pense qu'il y a un bug. Whoopala, il y a un bug! Wow. Je savais pas qu'ils pouvaient se mettre dans le ciment, eux autres. Ouais, des petits bugs par-ci par-là, là, mais bon, c'est la version bêta. Fait que, regarde, on peut pas demander trop vraiment, là, c'est pas mal normal. Fait que c'est ça, c'est l'update d'AMS2. La nouvelle IR18, mais pas IR18. Puis je vais vous laisser avec le replay de la course. Parce que les replays sont plutôt bien dans AMS2. C'est pas parfait en termes de caméra de replay pour avoir mieux, tu sais. Mais c'est quand même pas mal, il y a du bon mélange. Là, je suis pas capable d'enlever mes calices de niaiserie. Okay. Bon, ben, je vous laisse là-dessus. C'était Forzello, abonnez-vous, partagez, likez la vidéo, et ciao ciao!